Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le sixième dimanche du temps de Pâques de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous parle de l'amour. L'amour de Dieu et du prochain. C'est un commandement que nous trouvons tout au long de l'histoire sainte, tout au long de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cet amour, chers frères et sœurs, vient du Père. Pour nous atteindre, il passe par le cœur de Jésus. Il ne demande qu'à passer par le nôtre pour se communiquer à ceux et celles qui partagent notre vie au quotidien. Jésus nous communique cet amour qui est en Dieu, pour le rayonner autour de nous. Grâce à lui et avec lui, nous pouvons travailler à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Frères et sœurs, l'amour est une exigence et un commandement pour le chrétien. Le Seigneur nous le dit à la fin de l'évangile de ce dimanche. Voici le commandement que je vous donne. C'est de vous aimer les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, en regardant de près notre monde, nous voyons bien que ce n'est pas gagné, que ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui souffre de la violence, de l'égoïsme, de l'indifférence, de la misère et des injustices de toutes sortes, parce qu'il ne sait plus aimer, parce qu'il ne sait plus s'aimer. Le Seigneur avait déjà donné ce commandement à ses disciples. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs, comment aimer son prochain comme soi-même dans une société qui nous a appris à nous aimer, qui ne nous a pas appris à nous aimer, et à nous accepter tels que nous sommes, c'est-à-dire comme projet de Dieu. Comment aimer les autres quand nous ne savons plus nous apprécier et quand nous avons oublié que notre vie est une histoire sacrée? Frères et sœurs, nous ne savons pas aimer. Nous ne pouvons pas, si nous ne savons pas aimer, nous ne pouvons donc pas
être le point de départ de l'amour du prochain. C'est pourquoi le Seigneur va rendre le commandement de l'amour possible et concret. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, le point de départ de l'amour du prochain, c'est donc lui, le Seigneur lui-même. Ainsi, il ne s'agit plus d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Il s'agit d'aimer tout visage humain comme le Christ nous a aimés, c'est-à-dire d'un amour qui se perd et se donne totalement. Lui qui a donné sa vie pour que nous, nous ayons la vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à quitter ces chemins de facilité qui nous font aimer Dieu et le prochain d'un amour qui se reprend, d'un amour pesé et calculé. Car le véritable amour est un commandement. Il exige, il prend toute la place, il est exigeant. Il va jusqu'au don total de soi et ne croit jamais en faire assez. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus nous en donne l'exemple. Il livre son corps sur la croix par amour pour nous. Il prend notre place sur la croix, lui qui est sans péché, pour nous sauver du péché. Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous demande d'aimer ceux qui partagent notre vie au quotidien. Nous devons penser à nos familles, à nos amis, à ceux que nous côtoyons à l'école, au travail, dans notre communauté paroissiale et partout où nous allons. Nous sommes invités à jeter sur toutes ces relations un regard honnête. Y a-t-il des choses que nous devons changer pour vraiment aimer toutes ces personnes que nous rencontrons, toutes ces personnes avec qui nous vivons? Qu'est-ce que nous empêche aujourd'hui d'aimer comme Jésus le veut et nous le demande? Demandons à Dieu son Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de sagesse, afin de faire de nous son cœur sur cette terre et ne jamais laisser personne à portée de notre cœur sans lui donner ce qui lui revient de droit, l'amour qui vient de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.